Salut tout le monde, c'est Yann STR et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre playthrough. C'est donc une nouvelle session que je vais commencer de cette histoire. Donc que je rappelle bien, nous avons terminé l'histoire de Tails et Knuckles. Et bien entendu, comme vous savez tous, à chaque Sonic il y a toujours une fausse fin et une vraie fin. Et bien entendu, comme je vise la vraie fin, il faut que je fasse, en tout cas, en particulièrement pour ce jeu-là, parce que normalement tous les jeux Sonic, c'est chercher tous les Chaos Emeralds, sauf apparemment pour Sonic Adventure, qui est, je vais finir, en fait, tous les persos. Et du coup, il y a encore 3 persos que j'ai pas encore finis, tous ayant leur pourcentage de... L'histoire finie qui s'accroît, donc du coup, on va commencer par le plus bas, on va commencer par Ami Marteau, Martel tout. Et donc du coup, cette phrase n'a absolument aucun sens, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Du coup, j'en profite aussi, comme c'est le premier épisode de cette session, pour vous annoncer que la semaine prochaine, ou plutôt la semaine juste après cette diffusion, parce que je sais que à quelle semaine va être diffusé cet épisode, eh ben il y a de fortes chances que je ne publierai pas de vidéo pour la simple et bonne raison que c'est les week-ends forcément de un week-end férié. Et du coup je voulais profiter de ce week-end pour me reposer un peu, tout simplement. Et aussi que le mois d'août, il y a de fortes chances que le mois d'août aussi, je sais pas quand exactement au mois d'août, parce que j'ai pas encore décidé de quand est-ce que je me reposerai, enfin, bref, voilà, il y aura de fortes chances que durant juillet et août, il y aura quelques absences. Donc du coup, c'est juste pour me prévenir que si jamais vous trouvez que c'est qu'il y a un manque, un petit souci de quoi que ce soit, enfin, pas vraiment un petit souci, pourquoi je dis des soucis? Disons que si jamais vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo pendant une ou deux semaines, c'est peut-être normal. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir de ne pas, surtout pas, paniquer. Alors Kevin, je te vois tout de suite avec ton petit couteau là, en train de vouloir me tuer. Alors s'il te plaît, tu poses ce couteau. Voilà, tout simplement. Donc du coup, ami, alors on était resté au fait qu'on cherchait une salle et j'avais pas remarqué qu'il y avait des portes au-dessus. Et peut-être que il y a justement une porte qui pourrait s'ouvrir. Ou quoi que c'est quoi ça? J'aimerais savoir, est-ce que je peux me poser là-dessus? Et il me semble que j'avais déjà fait. Il me semble que j'avais déjà fait dans la session précédente. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais quand même essayer. Et effectivement, ça ne fait rien. Et il n'y a pas d'attaque aérienne ou quoi que ce soit. Enfin bref. Enfin bref, donc du coup, non, c'est bien au-dessus qu'il faut chercher la fameuse porte. La porte magique que nous avons vue avec Omega. Et qui, selon moi, n'est autre que celle-ci. Non, tu déconnes. C'est pas là. Entrée limitée. Mais je fais comment, moi? Je dois aller où? Putain, merde, attends, j'aurais dû parler à la bouboule. Non, on peut plus rentrer. Hammer switch pour ouvrir la porte. Sinon, jeter quelque chose. Non, putain, t'es sérieux? Fallait que je fasse ça depuis le début. Et je le savais pas. Je suis un boulet. Permettez-moi de faire un gros facepalm contre ce mur. Voilà, hein, forcément, hein. Comment t'es censé savoir ça, hein? Comment t'es censé savoir ça? À part en fouillant de partout, non mais... Mais enfin bref. Enfin bref. Et toi, me casse pas les noix. Voilà. Voilà. Ouais, ils sont décidés de me faire chier, là. Alors toi, la boule rouge, tu veux dire quoi? Ok. Attends, on a dit vers la gauche, hein. Ah non, faut... Qu'est-ce que je lâche? Ça fait rien. Bon ben, je vais prendre un bouclier, hein, parce que YOLO. Et la caméra sublimement buggée. Oh, qu'est-ce qu'il faut?
Qu'est-ce qu'ils font? Putain, attends, j'ai un... Alors, ce qui paraît, il y a des robots qui, comme ceci, essayent de... Je garde mon équilibre, sinon je tombe. Ah merde, encore lui! Putain, merde! Vite, 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 vite! Faut que je me casse! Faut que je me casse! Non, mais t'es sérieux? Je croyais Camille savait nager. Non! Fous-moi la paix! J'avais complètement oublié que Ami ne peut pas battre tous les robots. Merde! Comment, chef? Allez, d'accord. Et là, du coup... Attends, je crois que c'est vers la gauche. Ouais, je me trompe de sens. Effectivement. Effectivement! Et en même temps, la logique voudrait que ça soit toujours le sens des aiguilles d'une montre. Pas l'inverse, mais bon. Ah là, hein. Et il y en a qui respectent pas la logique des jeux vidéo, comme d'habitude. Enfin bon. Alors maintenant on dit quoi? Le drainage. Et il fait quoi le drainage exactement? Ah d'accord. Ok, ça. Ça me noie. Ça me noie. Et j'ai pas respiration illimitée sous l'eau, donc du coup, il faut que je sorte ici. Non, je sais ce que c'est cet interrupteur. Merci de... Merci de me foutre à l'eau. Tout simplement. Hein? Non mais... On va y arriver, hein. On va y arriver. Même si Amy est un petit peu... Alors, Amy, tu te fous pas un peu de ma gueule, là. Tu... Alors, je sais pas si c'est la plateforme, le fait que ça soit une plateforme où on peut vraiment pas se foutre debout, ou bien le fait que le jeu se fout de ma gueule. Alors, du coup... Ouais, en fait, c'est moi qui ai fait le con. D'accord, faut en fait rester immobile. D'ailleurs, sens inverse de jeu vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rien pigé! Je sais pas du tout ce que j'avais fait. Ah d'accord! D'accord! J'ai compris, j'aurais dû d'abord faire la bouboule avant de... Bon, et voilà. Mais comment la bouboule peut-il donner comme ça en mode YOLO des trucs? Et qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est très étrange. Enfin bon. Et ben. Je vais donc passer par... Oh putain! Ah, il sait démolir des trucs en plus! Ah non mais, casse-toi! Oh merde! Caméra de merde! Casse-toi, je t'ai dit! Et maintenant, je suis où? Je suis dans un endroit totalement mystérieux et inconnu. Bon. Avec des caméras buggées. Ah ouais d'accord, tellement buggées. Ah putain. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Mais je fais comment moi? Espèce de sac comique. Putain. Voilà. Merde. Et là je fais comment? Faut que je passe par là. Il n'y a pas de choix. Non, c'est aussi les toilettes. Attends, que fait des toilettes ici si de toute façon on sait très bien que les robots n'ont pas de partie génitale. Donc du coup, il y a de la vie. Il y a de la vie. Je vais prendre la vie. Hein, parce que la vie, c'est la vie. Pas déconner non plus. Et il y a tellement de bruit que je n'arrive même pas à entendre la musique. Est-ce que je peux péter les chiottes? Je ne peux pas péter les chiottes, ce n'est pas de la Knuckem. Mais ce que je peux faire, c'est que le gros robot a disparu. Attends, ça veut dire que le gros robot peut être détruit? Putain, j'aurais pu le buter avant. Ouais, d'accord. Bon.
Alors maintenant, toi aussi t'es un code. Non, t'es pas un code. Et c'est moi ou Ami est en train de faire du hula hoop quand on tourne ce truc. Regardez. Hula hoop, hula hoop, hula hoop. Fait du hula hoops. C'est totalement génial. Et je viens de louper ce que je n'aurais pas dû louper. Bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Des turbines. Tout à fait. Et ça sert à quoi ça? Ça sert à inverser. Ah ouais, mais pour pouvoir monter. Putain, je suis un pur génie. Je suis un pur génie. Voilà. Non, enfin, je suis pas vraiment un génie, c'est juste que j'ai juste appuyé sur un truc en pensant être un génie. Mais pas du tout, c'est juste le jeu qui est codé comme ça, ouais. Donc du coup... un interrupteur pour les vitesses. Qu'est-ce que c'est, un interrupteur pour les vitesses? Ouais, qui est étrange. On parle d'interrupteur pour les vitesses. Ça veut dire que... je dois continuer par là peut-être. Non. Interrupteur pour les vitesses. Ouh, peut-être que. Ouais, bah on sait jamais, hein. Eh bah ouais. Qu'est-ce que je disais? Un interrupteur pour inverser le sens. Mais ils appellent ça comment? Un interrupteur pour les vitesses? Ouais. Alors, faut que je t'explique un truc. Entre changement de rotation et vitesse, ce n'est pas du tout la même chose. Et absolument pas. Et j'ai de l'invisibilité. C'est magnifique. Du coup, je vais pouvoir massacrer ces monkeys. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait que ça s'emballe là. Il n'y a personne qui contrôle. Mon Dieu! Le hectare est réhanté! Nooo! Putain! C'est des fantômes! Il y a des fantômes partout! C'est pas possible! Mais regardez-moi ça! C'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi! Et du coup... ceci est l'interrupteur pour les vitesses! Je me trompe. J'ai compris! Faut surtout pas tomber! Ok, c'est parce que si je tombe. What the hell? Eh, y'a combien de portes comme ça? Ah, y'en a deux. Apparemment, y'en a deux. Y'a que deux portes. D'accord. Bon, bah, allons par là alors. De toute façon, on n'a pas le trop de choix, y'a pas d'autre chemin. Oh putain, pas encore lui. Bon, bah dans ce cas. Tac. Non mais. Fous-moi la paix, putain. Ah. Mais pourquoi je tombe? Non mais. Oh putain. Ouais, et forcément, il a fallu qu'il le fasse au moment. Au moment où je tourne la manivelle, hein. Non mais c'est vachement déloyal de faire ça pendant qu'on a déjà une occupation. Et de tourner une manivelle. Oui, c'est une occupation très étrange, je l'admets. Et qu'est-ce que c'est que ça? Salle de moniteur. Merde. J'ai pas lu ce qu'il y a après à cause des bandes. Quoi? Salle des moniteurs. Les 4 blocs doivent être en place pour utiliser le moniteur. Les 4 blocs. Ah ouais. Et comment je saurais quel bloc va où? J'ai une indication? Non, j'ai dit une indication. Je dois prendre ça. Merci. Ah, j'ai la couleur. D'accord, j'ai la couleur. Et je le mets là. Ensuite, j'ai le orange. C'est bien un orange, hein. Bon, pour eux, c'est du rouge. D'accord, d'accord. Et est-ce qu'on peut faire des erreurs? Tiens, juste pour... on peut le jeter, ouais. C'est du composant électronique, tu le jettes comme ça, voilà. Rien à foutre. ça coûte peut-être 1 000 euros, mais j'en ai rien à foutre. Et peut-être que si je le pose là, ouais non, il prend vraiment juste la bonne couleur, quoi. Il est intelligent. Alors que nous dit l'ordinateur de bord?
nous allons atterrir dans 3, 2, 1, ce... Non, sérieusement. Ah, l'ordinateur nous prévient que... Ah, putain ! Saleté !